Dans le cadre de l'université, Finena a une vilaine polémique autour de la nomination d'un nouveau vice-chancelier pour succéder à Ndara Fagumi. Vilain sur tout point d'université. Vilain à tel point qui, à la tête de l'université, Finena évoque la possibilité en 2009 de recruter un étranger. Inacceptable. Pas qu'on écoute tout pas le fini. Il y en a un tas universitaire professionnel, monde de grande valeur à Moïse. Pas à cause d'une méchante polémique, à l'honneur étranger. Nous dénonçons cela, nous ne pouvons pas vous la poser. Et déjà une polémique, mais voilà, tu parles, alors qu'il a la possibilité d'étendre le mandat de Ndara Fagumi mentionné, ne voilà-t-il pas que l'ICAC débarqué. L'ICAC débarqué pour enquête de rénovation du bureau de M. Fagumi. Tout ça là bien vilain. Tout ça là bien vilain, tout ça là bien triste quand nous calculons un étudiant, un jeune, et un universitaire de Moïse. Dans le cas du Medical Council, sa polémique qui n'est pas le voile spécialiste, une allégation publique, qui est un bon nombre de spécialistes, pas vraiment un spécialiste, sa inquiétude qui s'est causée, sa angoisse, sa inquiétude qui s'est causée chez les malades, les bonnes parents de malades. Inacceptable. Et au nom de bonnes malades, de bonnes parents de bonnes malades, m'a demandé qu'il tranche la question le plus vite et le mieux possible. Faudrait que la population, bonnes malades, bonnes parents de malades, regagne confiance. Dans ma spécialiste et ma médecin en général. Me penser le comportement du Parti travailliste, de l'Alliance sociale, en particulier du Parti travailliste, le comportement, l'attitude du Parti travailliste vis-à-vis de ma institution, le non-respect de ma institution en général, explique en partie de telles crises.